Alors, Monster Train, voilà ce qui se passe. J'ai farmé le jeu. C'est-à-dire, j'ai fait la découverte en live il y a quelques semaines. Oh, est-ce que j'ai sauvegardé? Oui, je crois. J'ai fait la découverte en live il y a quelques semaines. Et j'ai farmé le jeu depuis. Et voilà où on en est. Vous me dites si le son du jeu est trop fort. Parce que moi, je m'en lasse. En même temps, j'ai fait... je sais pas combien d'heures. Je vais vous dire. J'ai fait 50 heures de jeu déjà dessus. Voilà. Remogan. Et donc, j'ai farmé toutes les combos possibles, sauf une pour l'instant. Et une fois qu'on aura fini toutes les combos de base, oui, j'ai débloqué tous les clans assez rapidement. Il me manque deux niveaux en Umbras. Et ensuite, on commencera à attaquer les modes Ascension. Enfin, les modes, ils appellent ça comment ? Alliance, qui complique le jeu. Mais là, il nous reste une combo à faire. C'est la combo avec Umbras Main et Éphémérien Seconde. Merci pour ton resub. Ah, merci pour le sub offert, Dark Wolfie. Mais vous savez pourquoi je vois pas les annonces ? Parce que... merci, Dark Wolfie, d'avoir offert le sub à LG qui nous a sauvés. Voilà, je l'ai réaffiché, comme ça elle s'affiche. Et ouais, Umbras Éphémérien, c'était très cool. Parce que du coup, tu fais repop. Umbras Éphémérien avec l'éphémérien en prio, enfin en main, c'était très bien parce que je faisais repop les petites merdouilles d'Umbras. Par contre... Non, Éphémérien Umbras, c'était bien. Par contre, Umbras Éphémérien, je sais pas si ça marche aussi bien. On va voir, on va le découvrir. Et je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Bref, on y va. Umbras Éphémérien. Donc oui, le principe c'est des decks en fait. Donc là on profite du deck principal Umbras, du deck secondaire Éphémérien. Et on va devoir comboter les deux decks ensemble pour réussir la run. On sait déjà qui est notre boss final. C'est toujours Séraphin, mais il a une modification qui change à chaque fois. Parmi trois, je pense, différentes à peu près. Donc là il va purger les effets qui ne profitent pas à Séraphin. Donc ça veut dire tout ce qui est effet supplémentaire de rage, d'épines, etc. vont être effacés. Voilà mon train. Alors vous avez pas vu l'animation de départ parce que comme je suis revenue dans la fenêtre, j'ai passé l'animation. Mais en gros l'histoire c'est que le paradis a attaqué l'enfer. Du coup l'enfer est gelé et on va véhiculer dans notre train les derniers brasiers du feu de l'enfer. Pour réchauffer l'enfer jusqu'à l'amener au cœur des limbes. Donc c'est les... Il y a 9 cercles? Je pense que c'est les 9 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi il n'y en a que 8? C'est con. Alors on y va. On va choisir notre champion. Donc notre champion c'est forcément le champion Umbra. Et je crois que j'en ai un que j'ai pas encore fini de débloquer. Donc on va regarder ça tout de suite. Pour débloquer ça en même temps. C'est le champion monstrueux max. Mais du coup ça va pas être possible. Puisque là il nous propose que Glouton ou Architecte. Je pense que je vais choisir... Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là du coup avec les éphémériens on va avoir des mobs... à placer dans le deck. Je vais avoir des bougies je suppose, c'est ça. Donc là j'ai des bougies et des petits mobs à poser plus mes stewards. Les stewards ils vont servir à rien. Les bougies vont gêner. J'aime bien Glouton quand même hein. Oui, le mob avec les âmes il est pas mal, ouais. Le mob avec les âmes, il fonctionne très très bien avec les petits, avec les petites bestioles aussi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit... qu'est-ce que vous me conseillez? Ceux qui ont joué au jeu? Ou même les autres, hein, on peut discuter. Les autres, si c'est un peu votre truc de parler... les sous-bistres. C'est ça. Ce mot. Ce nom. Est-ce qu'on t'a préparé à 25, tour 1? Il a grandi le niveau. C'est pas mal d'agrandir le niveau, mais du coup ça veut dire qu'il tank pas du tout
et qu'on met quelqu'un d'autre pour manger devant. Ça veut dire, on a quoi comme unité là? Umbras. On va essayer ça. On va prendre architecte. Lorsque vous jouez une unité, le coût d'une carte en main tombe à zéro. Ça, c'est très très bien. Et au début du tour, ajoute un soubistre ordinaire ou inhabituel à votre main. C'est cool aussi. Mais je pense que la mana, c'est juste trop bien. On aura plein d'autres occasions d'invoquer des soubistres. Voire même d'en avoir trop. De mon expérience. Donc là, on va arriver sur le premier combat. Donc en fait, à chaque fois, on passe par quelques spots, on va dire. Et ensuite, on fait un combat, ainsi de suite. Il y a deux boss principaux avant le dernier boss. Les autres, c'est des combats simples, avec des boss, mais moins complexes. Pas principaux. Et on peut choisir de de compliquer le combat pour avoir une récompense supplémentaire. Donc là, on va le faire parce que... Tant pis, parce qu'on veut des sous. Parce qu'on est greedy. Monstre traînite aiguë, c'est clair. Alors le problème de ces petits mobs là, c'est qu'ils arrivent avec rage. Et que rage, ça augmente les dégâts qu'ils font. Donc là, ils vont faire beaucoup de dégâts. Normalement, ils tapent à 1-1, ceux-là. Mais comme ils ont de la rage, ils tapent à 5. Du coup, c'est beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas d'unité. Donc je pense que c'est lui qui va tanker. Eux, on va les laisser monter, tant pis. Ils vont juste taper. Ou alors je mets lui ici. Mais j'ai peur qu'il prenne trop cher. Donc lui, ici. Du coup j'ai de la place. Du coup, je mets lui devant. Non, derrière. Et comme ça il tue le deuxième. Et on fait un petit mob. Pour avoir de la mana. Et on invoque un petit bestiau. Il sert à rien pour l'instant, le petit bestiau qu'on a invoqué. Il va consumer, c'est tout, mais tant pis. Là, on a un petit grappilleur. Si j'arrive à le tuer, je gagne des sous. Donc bien sûr, on va le tuer. Faut juste que je regarde s'il n'y a pas... Voilà, j'espérais ça. Donc, on va mettre lui ici. Mettre lui là. Et du coup, j'ai des unités qui passent à zéro tout le temps. Et ça, c'est trop bien. C'est parce que... J'invoque des trucs. Bam, les sous. Et alors, les petits bestioles que j'invoque... Ils pop... Enfin, je les mets où je veux sur le truc. Je peux les mettre devant pour qu'ils prennent un coup gratuit. Ou alors, je les mets derrière mes unités. Et ça permet, quand ils... Quand le tour se termine... L'unité qui est en première ligne mange le bistre. Donc là. Et quand il va être mangé... Le mangeur va gagner des points de vie. Donc c'est OP. Doum, doum, dou, dou, dou. Doum, doum. Et donc le principe est... Ça reste comme ça sur tous les combats. C'est-à-dire les unités arrivent par en bas. Côté glacé. Côté paradis. Moi je défends côté chaud. Côté enfer. Et il faut que j'empêche les unités d'arriver jusqu'au cœur et de me tuer mon cœur. Là... Mon cœur, il a déjà pris des dégâts parce qu'on a laissé passer les deux premières vagues pour avoir le défi, pour avoir les sous en plus. Là, on arrive sur le boss. Ça se passe très bien parce que j'ai vol de vie. Du coup, il va me taper à 4, mais je le retape à 27. Et c'est easy game. On peut invoquer des petites bestioles, mais en vrai, terminé. D'ailleurs, je me demande s'il y a encore des hauts faits. D'invocation de bestioles une fois qu'on a débloqué les clans et tout ça. Parce que parfois je prends le temps d'invoquer des trucs alors qu'on sait qu'on a gagné. Je sais pas si c'est très utile. Alors, la forge de braise me permet d'avoir plus d'énergie à chaque tour, c'est bien. Mais je pense que l'assaut anti-ombra... Enfin... C'est une bonne unité en vrai. Hein. Plus 2 d'énergie par tour, mais... L'énergie devrait pas être un souci puisque on a notre bouteille là. Et en plus, notre spiritueux de Vassili. Et en plus, il prend 4 emplacements dans le train. Parce que ça, je vous ai pas expliqué, mais j'ai que 5 pour l'instant spots par étage. Et mes unités prennent un nombre de spots. C'est-à-dire mes bougies là prennent 1. Mon héros prend 3.
Les stewards prennent deux chacun. Du coup, j'hésite entre ça et ça, et je pense que je vais prendre l'assaut anti-Umbra. Permet de tacler un trash. Donc là, il faut que je choisisse un sort, enfin une carte du deck bougie. Donc j'ai le choix entre augmenter la consommation de mes bougies, c'est-à-dire que mes bougies, c'est des unités qui disparaissent au bout de deux tours, parce qu'elles ont consommation 2. Elles sont très fortes, elles n'ont pas beaucoup de vie, mais elles disparaissent en deux tours. Donc soit j'augmente leur consommation, soit j'ai un truc qui me permet de faire descendre des unités. La star de la soirée. Petit chat qui se manifeste. Soit le contenant en fusion que j'aime bien. Quand il meurt, il permet aux alliés qui sont derrière de ne pas se faire toucher pendant ce tour. Et du coup, c'est pas mal quand on a une vague d'alliés à protéger. Je pense que je vais prendre lui pour l'instant. Oh, pardon. Je pense qu'on va faire une reine et dodo. Et on va aller côté Umbras. Alors j'aime beaucoup lui. Lui, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de bien m'en servir. Pourquoi ? Parce que il est cher à 2, mais maintenant c'est moins un problème parce qu'on a cet objet à nouveau. Il prend 3 places. Oui. Petit chat. Attends, je t'installe. Il prend 3 places et il fait pas de dégâts tel quel. Je suis obligée de l'améliorer si je veux qu'il puisse faire des dégâts. Vas-y, saute. Qu'est-ce que tu veux? On t'a pas nourri? T'es nourri normalement, je crois. Voilà. Voilà l'animal. Ça marche. Bonne soirée, Guérilène. Merci d'être passé faire un coucou. Ouais, le maître des sous-bistres, il est vraiment, vraiment cool. Après, pour l'instant, j'ai personne qui gave, hein. J'ai rien pris pour se gaver. Du coup, le maître des sous-bistres, pour l'instant, n'a pas d'utilité. Alors que lui, serait un bon tank. Donc je pense que je vais prendre le goinfre et on va essayer de s'y plaire. La dernière fois, je l'avais eu assez tard. Alors, infinité, on va tout de suite le prendre et on va le mettre sur notre contenant en fusion. Infinité, ça permet quoi? Si l'unité meurt, elle revient dans ma main. Au lieu d'être juste détruite pour le combat. Du coup, c'est très utile. Hop, je vous incline la caméra pour que vous puissiez voir la bête. Hein? C'est toi la bête. Le fauve. Ouais, infinité sur le contenant en fusion, ça me plaît bien. Et j'aimerais bien... Consommation, non. J'aimerais bien ajouter de l'attaque à lui pour qu'il soit pas totalement inutile. Et j'ai pas envie de lui mettre consommation. Alors, je pourrais décider de mettre consommation plus 1 et un peu plus de force à un reliquat, mais les reliquats, c'est vraiment pas mes unités préférées. Pour l'instant, en tout cas, elles ont rien d'intéressant. Je pourrais aussi renouveler, mais ça va me coûter 50 et après, j'aurais plus de quoi acheter une amélioration valable. Enfin, pas forcément. Donc, je vais économiser mes sous et tant pis, on bouge de là. J'ai eu tout à l'heure le choix... Entre deux reliques, j'étais sur cette run là mais inversée, c'est-à-dire main bougie et secondaire glouton. Et j'ai eu le choix entre deux reliques, il y en avait une c'était à chaque fois qu'une unité meurt, gagner 5 PO. Et l'autre, à chaque fois qu'une unité meurt, ça donne 5 d'armure à l'unité qui est en début de ligne. J'étais trop. J'ai pris le safe, j'ai pris l'armure. Mais franchement, c'était tellement tentant de prendre les PO. 34 mois. Merci Géo pour ton resub. Merci de ta fidélité. 34 mois. Bientôt 3 ans. C'est un truc de dingue. Allez. Recrutement d'unités, c'est parti. En échange, les unités vont taper 4 plus fort. C'est un peu beaucoup, mais on va le faire. Parce que c'est que le deuxième boss, enfin le deuxième combat, et qu'on veut des PO. Donc lui c'est un prêtre, il tape pas plus fort, il soigne juste plus fort. On a dit
de la place. Le goinfre qui du coup passe gratuit. Pourquoi pas. Et on peut choisir dès maintenant de mettre lui devant, comme ça mon goinfre prend pas de dégâts. Et l'autre passe en infini. Par contre, il va nous manquer une place à cet étage, parce que si je veux mettre l'infini... Alors, je vais faire ça. Donc ça va soigner, ça va tuer tout le monde. Enfin, les deux qui sont derrière, surtout. Là-haut, par contre, je veux le récolter. Et lui... du coup, c'est un peu chiant parce que... Il me manque une place, là. En fait, j'aurais peut-être pas dû poser Penumbra ici, en vrai. Tant pis. Du coup, on va poser lui là, pour l'instant. Et du coup, un petit gars derrière. Les sous! J'ai eu une partie avec les éphémériens. Ma première relique au tout début, c'était le coffre qui file des PO avec la mort d'unité. Choper des barons des sous comme première unité, j'étais joie. Non mais c'est ça, j'ai fait quelques parties avec les éphémériens, avec les deux unités APO, c'est-à-dire celui qui, quand il élimine mes DPO, et celui qui, quand il récolte mes DPO. Et du coup, j'avais un étage où je m'arrangeais pour tuer une à deux unités par round. Je récupérais 20 à 30 PO par vague de mobs qui arrivaient à cet étage-là. C'était assez jouissif, je dois dire. Alors, on va utiliser un truc, on va faire un petit glitch. On va invoquer une bestiole. Alors, pas celle-là. Celle-là, on va la poser là. On va invoquer une autre bestiole. Voilà. La poser. La tuer. Ce qui nous en invoque deux autres plus efficaces. Et on va les placer ici. Ça permettra de rendre ce mob-là plus intéressant. Parce que du coup, il va avoir de l'attaque maintenant. Parce qu'il va manger les deux sous-bistres qui sont là. Qui lui donnent des points d'attaque et de vie. Et lui, il a gagné le soin. Et du coup, c'est réglé. Hop, on va tuer lui. On va mettre un vol de vie. Ah, là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ce sous-bistre-là, il a de l'attaque. Du coup, il va taper sur le mob. Or, le mob a des épines. Donc il va se tuer tout seul sur le mob avant d'avoir eu le temps d'être mangé. Mais c'est pas grave. Je suis totalement déconfinée. Ah oui, depuis longtemps, moi j'ai repris le boulot avant la fin du déconfinement. Enfin, avant le déconfinement. J'ai repris le boulot au tout début du mois de mai, fin avril. Donc ouais, je suis au boulot. Maintenant, on est en rythme très très light. Ce qui me permet d'avoir le temps de travailler à fabriquer des arbres à chat. Enfin, à concevoir des arbres à chat. Et à travailler sur le JDR. Parce que ce week-end, on devrait avoir une session de JDR si tout se passe bien. Si ce n'est deux, si c'est possible. On verra ça. Bon, combat expédié. Jusqu'ici, tout va bien. Après, les choses se gâtent. Alors, bouclier protecteur pour X, c'est très fort. Les trucs avec morte-braise, j'aime pas trop. Parce que tant qu'on croule pas sous le mana, on se prive quand même de deux points de mana, enfin d'un point de mana par tour pendant deux tours. Pour mettre vol de vie, c'est cool, mais j'aime pas trop. Et les sous-bistres inhabituels ou rares, c'est très chouette aussi, mais c'est une carte destruction qui est, je pense, moins forte que le bouclier. Parce que le bouclier bloque totalement les dégâts. Alors que le sous-bistre, potentiellement, il te soigne de 3, 5, ouais, 8 max, si je le mets sur un glouton. Je pense que je vais prendre de ça. Surtout que je vais quand même économiser de la mana grâce à mon item qui me permet d'avoir mes sorts moins chers. Alors, la Dresh, c'est une très bonne carte aussi. Je pense que j'ai envie de prendre la Dresh. Le problème, c'est que la Dresh, elle a consommation 1. Donc elle dépop, elle joue une fois après le dépop. Sinon, il faut l'améliorer ou la réanimer. Or, pour l'instant, j'ai rien pour réanimer les troupes. Et j'ai passé l'occasion d'améliorer. Si je veux réaméliorer, il faut que je passe côté Umbra. Marchand d'acier Umbra. Je pourrais. Mais est-ce que je veux pas plutôt passer côté marchand de sort? Pour baisser le prix de celui-là, éventuellement le mettre en retournement. J'avais fait ça l'autre fois.
Je lui avais mis à 0, je lui avais augmenté ses dégâts. Et après, je l'avais triplé. C'était trop bien. Ou quintuplé. Un truc comme ça. Et du coup, j'ai invoqué des bistres comme je voulais. J'avais dégagé tout ça. Bref. Ça ne sert à rien de pleurer sur les decks précédents. Si ce jeu m'a bien appris un truc, c'est ça. Première fois que tu vois mon tigre aussi docile. Oh non, elle fait ça de temps en temps quand même, de venir chercher des câlins. Elle fait ça le matin. Et puis le soir, elle prend une fournée de câlins. Puis après, elle se lève, elle se barre. Mais si, si, elle est gentille. C'est un peu une grognasse parfois, mais là... là, elle est sympa. Alors... t'es sympa. Ça ronron. Du coup, je sais pas trop quoi choisir. Je pense que l'explosif est plus cool. Faudrait lui mettre infinité aussi, évidemment, mais... J'arrive pas à me décider. Je pense que ça se voit. Écoutez, on va prendre la drèche et on va compter sur des bonnes cartes. Voilà. Ouais, là, je prends le mania, évidemment. Le mania sans mèche. Le mania sans mèche va me permettre de faire des sous si j'arrive à le placer à un étage où il y a des morts. Or, il y aura beaucoup de morts là où va y avoir des bistres. Et on passe côté éphémérien. Ah bah ça c'est pas mal du coup. Je prends elle. Et je lui mets la drèche derrière. Comme ça, elle augmente la durée de vie de la drèche. Oh, 4, 5. Hmm. Ouais. Il va falloir augmenter la taille de nos étages. On va pouvoir le faire bientôt. Ça, ça passe en retournement. J'ai pas envie de dépenser des sous. J'ai pas envie de lui mettre destruction. Je sais pas si j'ai envie qu'il soit gratuit. Quoique gratuit pour 3, c'est cool quand même en vrai. Allez. Et on va passer en event dans les grottes gelées. Ah! Ça va nous demander si on veut sacrifier des points de vie ou des sous. Je pense que je préfère sacrifier... on va voir. Ça dépend où je vais après. Je vais aller par là pour avoir le trésor. Donc je vais sacrifier des points de vie. 5 pour 10%. 5 pour 25%. On est à 15. Ok. Inflige 2 dégâts à l'unité ennemie en dernière ligne lorsque un sous-bistre est mangé. Très bien. Parfait. On récupère ça. Retournement et gratos, je l'ai mis. Parce que finalement, j'ai pas forcément besoin de l'augmenter, étant donné que je peux tuer mes propres sous-bistres avec. Du coup, je crée un sous-bistre, je le tue, j'en récrée, et ainsi de suite. Donc je suis pas trop inquiète, je pense que ça peut bien marcher. Alors... je pense que lui, on le va mettre ici. Elle. Elle meurt si je la mets là.
Mon héros, il meurt si je le mets là. Sauf si... Ouais, si, si. Non, bah, on s'arrête là, hein. J'aurais peut-être pu poser le héros ici à la place. Il coûte 1. Non, bah non, c'est bien comme ça. Le sous-bistre, faut penser aux petites cendres qui travaillent dans le voyage de chien. Oui, c'est exactement ça. C'est des petites... comment ça s'appelle? Donc là, on va poser la drèche ici. Et ça permet de tuer tout le monde et on va récupérer plein de sous. Le sous-bistre, c'est exactement ça. C'est les... C'est comment leur nom? Les noiraudes. Ok. Là, on tue presque tout le monde. Est-ce que je veux placer une bougie? Je crois pas, parce que là, on va perdre notre bougie assez vite. À cause des 40 points, là. Après, le fait qu'elle se prenne plein de coups, ça fait que ça va augmenter énormément la consommation sur ma drèche. Du coup, c'est plutôt cool. Là, on tue ça. Je pense que je vais mettre mon bouclier protecteur sur lui, mais déjà on va faire ça et ça. On va faire ça. On va le mettre là pour l'instant. Avec un mangeur devant. Et bouclier protecteur là. Comme ça on économise les points de vie même si elle en a pas beaucoup. Ça serait bien qu'on retire la destruction sur ses sorts. Pour qu'ils reviennent. Ah, ils ont célérité, ça m'ennuie. Mais c'est pas grave parce que on va tuer lui. Comme ça, il a plus célérité. On va mettre lui devant. Comme ça, on gagne un peu. Et on va placer ça ici. Lui va mourir quoi qu'il arrive. Ce que je peux faire éventuellement, c'est quoi? Placer lui et lui mettre un sous-bistre derrière. Ah non, il meurt aussi. Et oui, ça se déclenche deux fois. Bécasse que je suis. Ouais, les noiraudes. Tout le monde est mort. Les gens meurent pas au bon étage, hein. Mais bon. C'est le jeu Lucette. Ok. J'aurais peut-être dû tuer lui d'ailleurs. Mais en fait non, c'est bon. Et du coup lui je le remets là-haut. Et lui on va le mettre là. Bon pour l'instant on est sur les premiers combats, c'est très light. J'ai ma drèche qui va bientôt disparaître, je pense. Hmm, 8, ça suffit pas, malheureusement. Ah oui, mon héros, tiens. C'est vrai. Si je le mets... Ah, j'ai pas la place. On est passé de 83 à 111. Et si je lui mets un beauté... Voilà, bouclier protecteur. Parce que je voudrais qu'il meure au deuxième étage, figurez-vous. Et pour ça, il faut qu'il meure pas au premier. Alors on est en vitesse accélérée, on peut mettre un peu moins rapide les animations. On peut mettre même un peu plus rapide. Mais c'est trop après. Ah, c'est dommage. J'espérais que ça passe. Mais j'avoue, j'ai pas compté. Très bien, bah, du coup, on va commencer tout de suite là-haut.
Raté. Bonjour, je ne sais pas compter les points de vie de mes unités. C'est pas grave. En attendant, on gagne quand même... J'aurais dû mettre ma drèche derrière, d'ailleurs. Il aurait été derrière celui qui soigne le plus fort. Ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. On n'était pas large, mais ça passe. Alors, retire consommation et tous les malus d'une unité. Ah ! Ça, c'est pas mal pour ma drèche, justement. Holker. Pour récupérer toutes les soubistres. Déjà consommées. C'est puissant aussi. J'ai des poils de chat dans le nez. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais prendre le Hulker. J'ai pas tellement envie d'unité en plus en fait. Enfin, faut que je commence à réfléchir à un troisième étage, mais... En fait, j'ai envie de quoi? J'ai envie, à mon premier étage, d'avoir mon unité, mon goinfre, plus un mania sans mèche, plus une place pour invoquer des bistres. Pour faire des dégâts. Ensuite... il faudra que je booste mon mania sans mèche, d'ailleurs. Ou alors mon goinfre. Je peux aussi mettre au premier étage Madame des Repentis, puis ma drèche. Enfin, puis mon mania sans mèche, puis ma drèche. Je trouve que 5 points de dégâts, c'est pas dingue en fait. C'est bien à l'étage 1, mais après, c'est plus très fort, hein. Salut Monsieur Fourmi. C'est bien au début, mais après les mobs ils ont plus que 5 PV quoi. En soi ils ont parce qu'ils ont de l'armure, soit... Enfin après j'ai les 3 qui sont là éventuellement, du coup je fais 8, mais bon. Est-ce que je veux un deuxième... En fait la question c'est est-ce que je veux un deuxième mania sans mèche? Auquel cas, j'ai que Madame des Repentis, non ça suffit pas. Elle n'est pas assez puissante pour faire des kills. De toute façon, là, faut qu'on booste nos unités. Hein. Prochaine occasion. Consommation drèche. Mania sans mèche, on est déjà à 5. 6, 7, c'est trop. Je pense que je vais prendre... Alors, soit je prends un deuxième mania. Non, je vais prendre un tank pour notre troisième étage. Et on veut de la place. Salut Nilsog. Bonsoir, bonsoir. Et on a dit, on veut améliorer... Alors, soit j'aime, je duplique une carte. Mais j'ai pas envie de dupliquer une carte. Je pense que je veux l'artefact. Et il faudra que j'améliore mes unités. Alors... Ça, c'est très chouette. Ce que je peux faire, c'est me mettre entre le deuxième et le troisième étage. Plutôt qu'entre le premier et le deuxième. Ça c'est puissant aussi, mais pour l'instant on n'a pas tant que ça d'unité avec consommation et surtout on veut pas qu'elle meure. Donc je vais plutôt prendre ça, c'est des dégâts garantis, plus garantis en tout cas. On va récupérer un champion architecte.
va... C'est ça, donc il devient gratuit à son étage. Et il fait 50 points de dégâts, donc on pourra le mettre à l'étage où on va mettre le... Au deuxième étage. Je pense que je vais faire ma récolte au deuxième étage, en fait. Ah, mais il est trop bien, ce jeu, Nilsoc. Je le farm, moi, depuis sa sortie. Enfin, depuis que je l'ai acheté. Conductrice émérite de train, c'est ça. On va retirer des cartes. On va retirer dès maintenant... Les stewards. On en gardera éventuellement un, je pense. Et encore. On se soigne et let's go. Donc là, je suis sur... Alors, les ennemis gagnent 6, ça peut devenir méchant. Parce que du coup, eux, ils ont déjà plus 3 par étage qui passent. Eux, normalement, ils font pas de dégâts, du coup, ils vont en faire 6. Mais on veut les sous. On veut les sous. Ah, j'ai raté. J'ai cliqué à côté. C'est pas grave. En vrai, je pense que ça vaut mieux. Donc... Paf. Paf. Ok. Donc là... sont mes unités intéressantes. 20. On va lui faire un peu de dégâts. Donc là, ce que je veux, c'est avoir ma drèche et mon mania sans mèche. À 1, ma drèche à 2. Non, mon mania sans mèche à 2, ma drèche à 1, il me reste la place pour 1 de mob à bouffer par tour, on est pas mal. Ou mon contenant en fusion, si je veux. C'est pas mal ça comme premier étage. Du coup, deuxième étage, ouais, c'est bien, ça me plaît là, ce qu'on est en train de construire. Ombrasse feu. Moi j'avoue que j'ai quelques... Enfin, pas tant de run que ça que j'ai perdu sur le dernier boss, parce que comme je prends tous les défis normalement... Ça se passe pas trop mal. 13. Du coup, là, on n'a pas assez de dégâts pour tuer quelqu'un. Sauf si on invoque une bestiole, ce qui va se passer. D'abord, on va mettre le mania sans mèche, d'ailleurs. Ici. J'aurais dû le mettre... Oui, c'est ça. Je mets ça ici. Je pose ma bestiole. Je tue la bestiole. Ce qui me fait pop 5 PO. Et là... Lui, il vient ici. Il va venir derrière. Lui, histoire qu'il ne meure pas. Lui, il va venir devant ici. Pour pas taper dans le bouclier. Et les deux là vont venir là. Et on est pas mal. Et on est large en mana en plus. C'est assez sympa. Il y a des défis quotidiens. Ah, j'ai pas vu les défis quotidiens, par contre. J'ai vu le multi, mais j'ai pas vu les défis quotidiens. Alors, 3, toujours pas suffisant. 22, c'est bon, il meurt. Ici, alors, madrèche. Derrière le mania. Ouais. Pas cliquer à côté. Hein. On va mettre le bouclier protecteur ici, ça me plaît bien. Lui. Alors, 3. Mmh.
On va lui mettre des troupes pour taper quand même, ça serait bien. Et lui... est-ce que je veux mettre dissimulation? Ouais, je veux. Éviter toujours. Attention, j'ai un chat qui vient explorer le bureau. C'est la bagarre! Vingt-quatre, c'est bon, il va mettre 8 avant de mourir. Au boss, enfin au truc. Là, on manque de dégâts, hein, mine de rien. Et j'ai pas de bistre, tiens. C'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. C'est triste. C'est triste. On va mettre ça devant pour économiser notre bouclier. On va remettre des boucliers. Lui, on peut le mettre là. Mais si. Voilà. Et je voudrais donner de l'attaque à lui. Qui sert à quelque chose. Ok. Ouais, ouais, on sait que vous tapez fort. Ok, bon, on gagne. La seule chose que je peux envisager de faire, ça serait de mettre une créature supplémentaire, de la tuer. Raté. Faut que je regarde les points de vie avant de faire ce truc. En fait, je me fais avoir parce que dans ma dernière partie, je l'avais amélioré. Il tapait très fort. Et du coup, j'avais pas besoin de regarder si les bistres avaient assez de vie ou pas. Là, je me tracasse pas. Celui-là va effectivement monter, mais comme on va tuer le boss, il aura pas le temps de monter. Parce qu'il montera en début du prochain tour. Or, il y aura pas de début de prochain tour vu qu'on va tuer le boss. Donc tout va bien. Alors, confère bouclier protecteur 1, ajoute 2 sous-bistres. Ben, je pense qu'on va prendre ça. Hein. Inhabituel ou rare. Go. Extinction invoque 2 Dresh. Ça, c'est pas mal. Confère infinité, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je pense. De Dresh, c'est pas mal, mais comme on n'a rien pour augmenter leur consommation pour l'instant, elles vont être invoquées et des pop dans la foulée. Oui. Les noiraudes deviennent des sous-bistres. Je pourrais aller me soigner, améliorer mes unités, ou alors améliorer mes sorts. Mais je crois que j'ai envie d'améliorer mes unités. Voilà, typiquement, c'est ce genre de choses-là qu'on veut. Et... par contre, elle fait 2 maintenant. C'est-à-dire que je mets plus de sous-bistres à cet étage-là. Enfin, à l'étage où j'ai la Dame des Repentis et le Dresh. Plus le Mania. C'est fort quand même. Hein. Sinon j'améliore lui pour qu'il soit enfin utile en plus de tanker.
C'est quand même beaucoup plus efficace là-dessus. Hey Basing, thank you for the raid. Welcome all the viewers of Basings. We are on this wonderful game. Such an addictive game. On va améliorer full notre Dresh. J'ai pris le sort qui met infinité, hein. Je suis pas folle. Oui. Donc on mettra infinité à la Dresh. Et du coup, peut-être même qu'on n'aura pas besoin de laisser la Dame des Repentis devant. Et dans ce cas-là, je mets Goinfre. Ouais, mais Goinfre, il fait 3 places. Enfin, ceci dit, je peux mettre Dresh, Mania et des bestioles derrière, en soi. Il y réfléchira. Qu'est-ce que je veux améliorer avec des cœurs? Pas grand-chose, hein. Est-ce que je veux pas... Il y a un marchand de breloques ou alors j'ai une trésor. Est-ce que je voudrais aller... Je pense que j'irai là. Et après au marchand de magie, parce que j'ai toujours pas visité de marchand de magie. Donc, on va renouveler. Frappe multiple. C'est bien, frappe multiple aussi. Très bien même. Il va taper un peu plus fort aussi. Et je pense que je vais aussi lui mettre le bouclier protecteur parce que son job, ça sera aussi de tanker. De tanker pour le premier étage. Donc là, on est pas mal. On se soigne. Et let's go. Yes, it's like Slay the Spire, it's roguelike with deck building and you have the system of 2 decks. You have 5 different decks and you go in the run with 2 of them. 5 decks and you choose 1 main and 1 assist deck. So you have this much possibility. Variante. Variability. Well, very good. Alors, il y a lui qui est chiant parce qu'il a balayage, je crois. Non? Ils ont pas balayage à cet étage? Je croyais. De toute façon, on veut l'artefact, donc on va chercher la difficulté. You can speak in English in the chat if you don't mind me answering in English with my bad accent. Ok, donc là, ils ont double frappe. Mais tant pis. On va mettre Penumbra ici. Pour l'instant, il va prendre les coups. Mais on a dit qu'on met aussi le glouton ici. Non, on met la Dresh et le Mania. Qui font 4. De plus, 1, 2, 3, 4, et ensuite des bistres, c'est ça. Donc le goinfre, on le met ici. Et lui, on le met là. Et je pense que je vais mettre lui là. Et lui là. Histoire de pas me faire déboîter la gueule. C'est vrai que lui, pendant ce temps-là, récolte, mais en attendant, je sauve mon héros, comme je sais pas trop combien de temps faut que je tienne avant que les autres arrivent. On va tuer lui. Pour s'économiser 12 points de dégâts, ça me paraît pas mal. Ça, c'est bon.
En fait, je veux infinité pour la drèche et j'ai pas la drèche et du coup, je suis tristesse. Ah, quand les cartes tombent pas dans le bon sens, c'est triste. C'est la parisienne, c'est ça. Enfin, vous ici. On est pas mal. Enfin, mieux en tout cas. Mmh. Ah, je lui ai rien donné à manger, lui. Vingt-cinq, je tape à 30. Il a au total 95. Ouais, donc je ferais pas mieux en mettant 9 points de dégâts, je crois pas. Hein. Je vais le faire quand même, dans le doute, mais. Parce que j'ai la flemme de compter en fait. Ah si, c'est bon, ça a marché. J'ai pris un coup de moins. Eh ben, vous ici! Quelle chance! Ça faisait longtemps! Ah oui, mais j'ai pas de quoi lui mettre infinité. Couillonne! Alors, attendez. On recommence. Je m'a trompé dans mes cartes. Parce que ma drèche, elle est utile que si je peux lui mettre infinité. Ou de la consommation via la vieille. Or là, j'ai ni l'un ni l'autre. Du coup, c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? Sûr de ce que je suis en train de faire là. J'ai comme un doute. C'est ça, donc je mets ma vieille ici. Je mets lui ici. Je tue lui. Quick. L'argent. Le mania sans mèche, on a dit, il vient devant pour tanker. Lui va venir devant aussi. Devant qui d'ailleurs? On est à 63 moins 40.
33, donc oui, il faut que je lui inflige un peu de dégâts. Voilà. Et lui, on va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. Ok. Et donc là, Madrèche. Par contre, Madrèche, bien derrière tout le monde. J'hésite. Parce que elle tape très fort. Donc l'avantage de la mettre derrière, c'est qu'elle tient plus longtemps. Mais elle va aussi tanker. Ah non, parce que je vais avoir lui en boucle. Donc en fait, je m'en fous. Il vaut mieux que je la mette tout derrière. Bam. Toi, t'es mort. Toi, du coup, faut que tu reviennes. On va mettre lui là. Lui là. On est pas mal. Ça marche pas mal, ça marche pas mal. Je pense qu'on a setup à peu près quelque chose là. Il y a lui là encore, mais... 3 dégâts. Bouclier protecteur. Vol de vie. De l'attaque en plus. Mon bouclier protecteur en plus. Ah non, je sais. Ça et ça. Oui, ça soigne lui, mais c'est pas grave. Parce que du coup... bouclier protecteur ici. Dégâts ici. Encore un sous-bistre ici. Et bouclier protecteur là. Ok. Ça se passe pas trop mal, dit-elle en se prenant 20 coups dans la gueule. 30 points de dégâts, c'est gratuit. Ça, c'est tous les sous-bistres que j'ai mangés. Est-ce que je veux pas mettre vol de vie sur lui ? Et 8. Un multiple de 8. Si je mets 54, ça change pas grand chose. Par contre, si je mets un bouclier protecteur, j'en encaisse une de plus. Ou alors, je lui mets dissimulation. Et ça permettra rien du tout, parce que je veux pas que ça soit lui qui mange. Donc je vais mettre un bouclier protecteur. Et on en remet 3 là. Peut-être des soins, ça serait pas mal, vu comment je suis low life. Et là, je peux mettre lui. Ah non, je peux en mettre encore un derrière. Paf. Ok.
Ah, il tape en AOE. Quel dommage. La drèche disparaît. Il nous faut quelque chose pour les bougies quand même. Hein. Ça serait bien. Ah, il tape en AOE. Du coup, ça sert à rien d'invoquer des bestioles. On va plutôt mettre là. Ça sert à rien d'invoquer des bestioles parce qu'elles ont pas assez de vie pour survivre à un balayage. Quand on les reforme à partir... Ceci dit, quand on les reforme à partir du deck bougie, là, ça marche mieux, mais... Tiens! Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ça passe pas large, mais ça passe. Masque de pénombre, je crois que je connais pas. Chaque tour, lorsque vous évoquez votre premier soubise, piochez une carte. Très bien. Merci. Destruction. Pioche une unité, l'améliore. Elle coûte moins cher et elle tape beaucoup plus fort. Ou alors la mine de gemmes qui potentiellement passe à zéro quand je joue d'autres cartes. Ce qui en fait une carte cool. Bouclier protecteur plus 3 d'invoque. De soubistre. Parce que piocher une carte et la rendre moins chère, c'est pas fou dingue. Après on tape plus fort aussi, mais pff, ça va tomber sur un sous-fifre. Ça va m'énerver. Retire les malus. Non, non, non. Rien. Il n'y a rien de bien. J'ai pas envie de tuer des unités. Parce que pour l'instant, j'ai pas de quoi les faire repop. On peut prendre ça. On retire les bonus des unités. On va prendre ça. La meilleure carte du jeu, laquelle ? On va acheter des breloques. Hein. On va acheter des breloques. Les unités entrent avec vol de vie. Les cartes à X gagnent plus 3. Ah, ça aurait été cool. Peut-être. Et les sorts gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire. Ouais. J'ai loupé toutes mes améliorations de sorts de toute façon là. Eh ben, c'est pas fou tout ça. Je pense que vol de vie, je prends. Ah oui, la dissimulation. Oui, si, c'est sympa. En retournement, du coup, mais il faut l'améliorer et tout pour que ça soit intéressant. Là, j'ai pas grand chose pour rendre ça efficace. J'ai plus le temps, en fait. Et eh ben, ces breloques me font vraiment pas rêver. Hein. J'ai envie de renouveler, mais j'ai tellement peur de me faire arnaquer, si vous saviez. Ah, ça, c'est cool. Alors, 5 lorsqu'un tombeau meurt, sachant que lui meurt tout le temps, donc on sera à 5 tout le temps, mais on a déjà trop de mana. Je pense que si j'en achète qu'une seule, c'est celle-là. Troisième emplacement de sort, c'est puissant. Bah ouais, mais j'ai plus tellement d'occasion d'améliorer mes sorts. En fait, j'ai que 2 marchands de magie, je suis pas sûre d'y aller. Non, plus 2 au niveau central, ça me plaît bien. Dans ce cas-là, je transforme mon niveau 1 en niveau 2. Je peuple pas ou peu le niveau 1. On verra. Ça me plaît bien, ça. Oh! Et on retire encore des cartes. On va retirer 2 reliquats. Pourtant j'en ai fait des games sympas avec des reliquats, hein, mais... C'est ça, faut que ça tombe au bon moment pour que t'aies le temps de l'améliorer et tout. Mais j'ai fait quelques games qui m'ont fait regretter de pas être en stream en plus. Hein.
Parce que du coup, j'ai beaucoup beaucoup joué solo. Alors que normalement, bah, je stream pas. Enfin, je joue pas solo, je vous stream le jeu. Mais j'ai beaucoup joué solo et du coup, c'était. Alors, paf. Paf. Il me reste une place pour ma drèche. Deux places pour ma drèche. Et deux places pour des bestioles. Donc ça, c'est très bien. J'ai envie de le finir rapidement en fait. Il est à 80. Voilà, de cette façon je le termine au prochain tour, ça me plaît bien. J'avais oublié qu'il perdrait un point de vie, raison de plus pour s'installer au deuxième étage. Pam pam pam. Je réfléchis si j'ai envie ou pas. Ah oui, c'est vrai que j'invoque des bestioles, du coup je pioche. Retirer les bonus malus. Je pourrais retirer les boucliers. Est-ce que ça marche? La réponse dans un instant. Oh! Très bien. Est-ce que j'ai envie de le mettre là, lui? Pour l'instant, il tape pas, il fait pas grand-chose, mais... On va essayer de faire ça comme ça. Il manque des unités de toute façon. Salut Florisha! C'est vrai que ça fait un bail. J'ai eu pas mal de soucis. Oh merde! J'espère que ça se rentre dans l'ordre petit à petit. C'est chiant les soucis. Banalité, bonsoir. Non, ça fait plaisir de te voir passer. Écoute-moi, ça va bien. Je prépare doucement mais sûrement la... Doucement mais sûrement le prochain 24 heures. Et c'est cool. Lui, il va rester là pour l'instant. Ah merde. Je m'a trompé d'étage. Tout le monde meurt très bien. Et là, je mets infinité à mon Dresch. Je pense que oui. Ça booste encore lui, mais c'est pas très grave. Bouclier protecteur. Ah, un peu de... De manne. Bouclier protecteur encore. Voilà. Bouclier protecteur encore. Sur qui je veux le mettre? Peut-être sur elle d'ailleurs. Continue à booster l'autre, mais c'est pas très grave. Tac.
De l'attaque. Bah non. Tac. Presque 5 ans, c'est vrai. Tu me suis quasiment depuis mes débuts, toi. Ça fait d'autant plus plaisir quand tu passes. Ok, toi t'es mort. 3 points de dégâts. J'ai pas envie de le tuer. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il va booster ses potes. Et ensuite parce que quand il va arriver là et mourir à cet étage là, je vais gagner 5 PO. Donc on va pas le tuer. A la place, on va réinvoquer des bestioles. Là, ça et ça. Et re. Ça. Ça. Yep. Voilà, j'ai plus de place. Ah, plus de place. 4000. Oh, c'est gentil, Flulicha. Ah, j'avais oublié que quand il mangeait, il faisait des dégâts, lui. Du coup, l'autre meurt pas. Mais c'est pas grave. Là, c'est ça. Bon. Pourquoi ils s'éteignent, eux, alors que normalement, elle devrait mettre de la consommation aux autres? Ah, parce qu'elle doit subir des dégâts. Et du coup, ça foire à cause du... Hein, c'est pas grave, ça marche quand même. Ok, ok. Pour que ça marche, en fait, elle doit subir des dégâts. Or, à cause du bouclier protecteur, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, pardon. Tiens, des points de vie. Encore des points de vie. Bonjour Zyriel. Zyriel. Il y avait le song request, mais il est plus activé. J'ai pas changé le titre à ce sujet. Là, on est sur la game normale en fait. Il y a plus le song request. Donc là, il a infinité. Du coup, c'est pas mal. Parfait ça. On va mettre lui devant. Je pense. Hein, c'est 45. De toute façon avec l'infinité il repop sans arrêt. Et je pense qu'il repop avec tous ses bonus. Hein, il me semble. Il me semble. J'ai un doute. Mais je crois.
La réponse tout de suite. En tout cas, on lui a prodigué plein de boucliers protecteurs et on va voir ce qu'il en est. Lui, on va le dégager du deck pour arrêter de le piocher. Salut Gorkeg. Non, c'est l'autre jeu où ma première carte est jouée deux fois, effectivement. Alors non, il perd ses boucliers de protecteur. Par contre, il garde ses bonus de bistre. C'est marrant. Dernier round. Du coup, on va poser lui. On va poser... lui. Ça a pas l'air d'être très puissant mon truc, mon histoire. Pourquoi ça marche pas? Aucune idée. Hop. On veut plus de bistre. On retire les bonus de tout le monde. Ça change rien. Merci Gorkag pour les 5 subs offerts à la chaîne. C'est énorme. Nilsog, Elia, Bassing, GG, Sildaran et Malebolgia. Bienvenue chez les subs. Bienvenue chez les Kirésistibles plus plus. Merci de ta générosité. On va faire ça et ça. Du coup, je suis pas hyper convaincue de mon histoire de Dresh, là. Ah ouais, c'est parce que j'avais pas assez de dégâts pour tuer l'autre. D'accord. Donc cette fois-ci, ça devrait être bon. On y croit. Donc on met lui devant. On met lui derrière. Enfin non, devant, parce que de toute façon, il va... mourir après un tour. La relique qui fait que quand une unité meurt, elle gagne masse points de vie. Grave efficace aussi. Max points de dégâts, pardon. Il y a une relique qui fait que quand une unité meurt, elle gagne 10 points de d'attaque. Du coup, quand on rappelle des unités mortes, c'est ultra efficace. J'étais ressorti avec 20 PO, je crois. On est pas mal, là. On fait des PO. Bon, le deck est pas bourrin, mais ça passe. Donc, pour l'instant, on va pas se plaindre. Alors, extinction, par exemple. Celui-là, il est cool parce qu'il fait repop une unité avec plus 40. Mais, ça va prendre une unité au hasard. Potentiellement des bistres nuls. Maintenant, ça permettra toujours de... d'avoir des bistres qui tapent à 40, quoi. Avant d'être mangé. Ça, je pense que c'est plus puissant. Ça, je pense que c'est ultra puissant. Mais le problème, c'est qu'on va pas s'en servir beaucoup. Elle est pas très chère, finalement. Enfin, elle est gratuite, quasiment à coup sûr, à condition de la jouer intelligemment. Mais
Ça tape que sur l'unité en première ligne, qui n'est pas forcément la ligne où j'aurai tous mes emplacements. Est-ce que je veux encore des emplacements? J'ai une unité, deux unités, trois. On est à 7 unités max. 3, 4, 5 et 2 bidules. Donc 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus 2. Donc je suis à 8. Je pense que ça sert à rien parce que le nombre d'unités maximum par étage, c'est 7, quoi qu'il arrive. Donc si je veux pouvoir placer des bistres... je vais avoir une unité 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 bistres. À condition d'avoir 3 et 2, 5 et 2, 7... Et deux. Ah, si, on pourrait. Ça nous passerait à 9. Attends. 3. Non, celui-là, il est gratuit. Donc. 2. 4. 6. 2 bistres. 7. 8, c'est ce que j'ai pour l'instant. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 unités. Oui, si c'est ça, donc une unité en plus. Oh, le calcul. Compliqué, hein? Compliqué. On veut améliorer les sorts ou on veut acheter des breloques? Il y a encore un marchand de breloques après. Je pense que là, je vais améliorer les sorts et retirer des cartes et tout. Clean le deck un petit peu, ça fera pas de mal. Alors, effet double. Ça va sûrement être pour mon bouclier protecteur. Et c'est pour celui-là, sans doute. De la puissance magique destruction, c'est non. Et moins cher, c'est non aussi. On serait pas contre... Voilà, un gel éternel. Ce qui nous permettrait de récupérer l'infinité. Ou Memento Mori. Je pense que l'infinité est mieux. Et 10 puissance magique sur le Memento Mori. Je suis pas sûre que ce soit utile. C'est déjà une carte qui tape fort. On va retirer des cartes du deck. Je retire quoi? Je retire deux reliquats, je pense. Ou un reliquat, un séparation. Parce que j'ai pas mal de trucs pour invoquer des bestioles maintenant. Enfin, oui et non. J'ai la mine de gemmes, mais il faut avoir de la mana ou avoir joué autre chose. J'ai ça, mais il faut en avoir déjà mangé. J'ai ça, mais il faut tuer quelqu'un. Et j'ai ça. Mais je pense que les sous-bistres ordinaires, au bout d'un moment, ça va me gaver dans mon deck. On améliore! Ah! Que veut-on? On veut la trappe. Trappe piégée qui permet de faire redescendre une unité jusqu'en bas du train. Et du coup, je... Pas... Si j'ai plus 4 à ce niveau, ça me met à 11. 11 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 8, 9. Dix, onze avec deux. Ça me permet de remettre elle devant. Ouais, si c'est pas mal, hein. T'as pas 100 en plus. Après, c'est juste dommage parce que le piétinement, c'est puissant aussi. Je crois que je vais prendre piétinement plutôt. Pour tuer toujours plus d'unités à cet étage. En route. Au début du combat, des unités apparaissent. Vas-y. Bonne nuit, Morgan. C'est vrai qu'il est 1h du matin. Bah, je finis cette run-là, moi, de toute façon, et je vais me coucher après. Il me restera qu'un seul combat. Enfin, qu'un seul boss, après celui-ci. Voilà. Exceptionnellement, j'utilise dès maintenant le truc, mais comme ça, on la garde un peu plus longtemps. Et on nettoie le piétinement, c'est pas mal. Le sang mèche ici. Ça, c'est gratuit. Pour tout le monde à cet étage-là, c'est bien. Trappe piégée. Pour lui. Pour tout le monde. De l'attaque et du vol de vie. Pas de bouclier protecteur pour elle, du coup des points de vie. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre là quand même. Oh. Ok, il m'en reste un quand même. À finir, on va le mettre là. Il meurt, très bien. La drèche va venir se mettre en position. On a dit devant, parce qu'elle va finir par tanker quand l'autre va mourir. Lui, pourquoi pas se mettre devant ici? Ah non, parce que je veux qu'elle se fasse taper. C'est vrai. Désolée, hein, je suis un peu... un peu concentrée, mais... J'économise quelques dégâts sur l'autre bonhomme. Et ce steward... Pff.
Très bien. Donc lui, il vient là. Il vient là. Change pas grand chose, hein. Bouclier protecteur pour tout le monde. Ah non, c'est un pour un seul. Là. Bouclier protecteur pour qui? Pour elle? Pas trop, hein. Pour lui. Alors lui, quand il gave, il fait 5 points de dégâts à tout le monde. Du coup, j'ai pas envie qu'il gave là. Parce que je veux qu'il meure à un autre étage. Donc on va gaver l'autre. Parce que j'arrête pas de faire l'erreur depuis tout à l'heure. Donc si on pouvait arrêter ce genre d'erreur, ça serait pas mal. En termes d'interface, ça va, ça va. En fait, tu peux survoler et tu vois ce que ça dit et après tu les reconnais. Mais honnêtement, moi je regarde pas tellement ces trucs-là parce qu'en fait ça veut dire frappe multiple, mais tu le vois aussi là, en ayant la multiplication. Après, peut-être que c'est affiché trop petit par rapport... D'ailleurs, le jeu est encore en double. J'ai une interface chelou en ce moment sur mes jeux. Faut que je refasse l'overlay un de ces quatre. Si je fais ça, c'est mieux. Bof, hein. Tac. Donc. Alors, je voudrais récupérer un bistre qui met vol de vie. Voilà. Lui, par exemple. Et du coup, protéger ici. Voilà. Je vais perdre ma drèche, mais c'est pas grave parce qu'elle est infinie. Donc je la récupérerai après. Ici, je vais pouvoir en placer plein. En particulier d'attaque. Et là-haut, accumuler les boucliers et les soins. Il n'y a plus de place! Plus de place dans le train! Ça manque presque de pioche ce deck. Enfin complètement même. Ça manque complètement de pioche. Pas assez puissant mes histoires. Alors ça, ça va taper fort ceci dit.
Ok. Et voilà. On peut mettre les trois derniers là-haut pour la forme. En fait, on a un deck qui doit se setup. Et si on pioche pas les bonnes cartes, c'est quand même la merde. Après, là, je tourne avec 15 cartes. Une fois que toutes les unités sont posées, donc ça va. Mais c'est un peu trop, pas assez tranquille par moment. Tiens, ça, c'est bien. Et ça, j'ai vraiment envie, mais ça, c'est mieux, je pense. Reformer une unité. Ouais. Ça, c'est mieux. Et ça me permettra de reformer soit ma nénette tank, là. J'améliore mes sorts ou mes unités? Mes sorts, hein. Ouais, mes sorts, je pense. Quoique, si un petit retournement ou une petite retirage. Un petit retirage de destruction, ça serait pas mal. C'est ça, il me faudrait plus de pioches. Qu'est-ce qu'on retire de destruction? On retire ça, je crois. Pas 30 000 unités que je veux gel éternel, donc ça c'est pas mal. Non. Et moins cher, on s'en fout un peu. Quoique je peux mettre celle-ci moins cher pour être sûr de la jouer quand je l'ai. J'espérais ça. Et du coup... Alors, je sais qu'il faut que j'aille acheter des reliques. D'ailleurs, je vais aller faire ça avant d'acheter ma dernière amélioration. Extinction une fois supplémentaire. Votre brasier avec de l'armure et plus de puissance magique. Alors, la puissance magique, c'est oui. L'extinction... Il y a quand même une fois où je ne l'ai pas pris, d'ailleurs. L'extinction supplémentaire, ça va me faire une dissimulation de plus. Et c'est... Alors qu'il a infinité, je pense que ça vaut pas le coup. Et le brasier. Brasier carapacé, c'est pas... Vas-y, donne-moi autre chose. Alors, les tombeaux gagnent plus 30, c'est non. Parce qu'on veut que notre tombeau meure vite, vu qu'il a infinité. Une destruction jouée restaure 5 PV, c'est pas mal. Et la première fois qu'une unité meurt, 2 soubistres à votre main, on va être vite... Surchargé de soubistres, mais après tout, j'ai un peu peur de l'overdose. Et en destruction pour ce heal, pourquoi pas. En même temps, il ne nous reste qu'une seule carte destruction du coup. Ouais, 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 rien de si sexy que ça. On va pouvoir améliorer les sorts. Zoom, zoom, zoom. Celui-là. Celui-là, pour être sûr de le jouer quand je veux. Et plus 10 puissance magique sur là. On retire une carte. Je pense que je vais même en retirer deux. Je retire un Stuart. Je pense que j'ai envie de retirer les deux même. Ouais. Allez, je retire. J'ai pris le truc qui me donne des soubistres. Ouais, donc je vais retirer le... une carte à soubistres. J'ai pas envie de manquer d'un Stuart et de me dire merde, je l'ai dégagé.
Bon, on a un deck propre, 24 cartes. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un aussi petit deck. On a dégagé pas mal de cartes quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas payé pour retirer des cartes en fait. En général, j'utilise que le Vortex. Alors, vous ici. Ça, c'est dommage, c'est un peu tôt. Tac. Bah dommage pour la flambée diabolique, hein, on s'en servira plus tard. Bon, ça c'est clean. Lui, là. Lui d'abord. Lui là. Lui là. La drèche en position. Ici. Lui ici. Ces trois-là sont très beaux, mais... je suis pas sûre de vouloir les faire manger par lui. Quoique... on veut pas lui mettre de bouclier protecteur. Il faut vraiment que je me le rende dans le crâne, ça. Les malus et les bonus, bah, il y en a pas. Ah ouais! Ah, j'aurais pu les mettre ici en position et leur mettre ensuite un bouclier protecteur. Pour les faire manger par le prochain. Tant pis! En soi, c'est une amélioration de la pioche, c'est ça. C'est exactement le... l'idée. On va se prendre une morte braise à 12 là, on va pas comprendre. J'aurais pas dû faire ça. J'ai merdé. Putain. Parce que là, ma drèche... ah mais si, ma drèche va dépop, mais je vais la reformer. Mais pas tout de suite. Ah, j'ai merdé. C'est pas grave. Tant pis. En attendant quoi? En attendant lui. En fait, je suis con parce que je continue à penser en termes de. Je continue à penser en termes de. De PO. Sauf que j'ai plus besoin de faire des PO. Du coup, faut que je me concentre pour pas faire des PO. Parce qu'en fait, je continue à mettre mon bonhomme là-haut, mais je pourrais me contenter d'invoquer des sous-bistres. Enfin, après, il tape fort quand même. Mais... parce que là, je continue à récolter plein d'argent, mais on s'en fout en vrai. Et ouais.
crois que j'ai envie de me débarrasser de ça. J'ai pas envie de leur piocher jusqu'à la fin des temps. Ah, ça tape en AOE. Rappelle-toi, Kyr. Faut mettre des mobs qui ont 4 de PV. Ok. Quick. Est-ce qu'on veut pas s'éviter? Ah, on va mettre vol de vie, c'est une bonne idée ça. Il y a de la OE. Oui, mais non, on a dit qu'on s'évitait lui là. Voilà, très bien. Vol de vie. Vol de vie sur elle, ça va être bien. Pas de bouclier à cet étage. Des dégâts ici. Hop. Encore un petit vol de vie pour la vieille. Un petit vol de vie pour lui aussi. Il faut que ça serve. Et du dégât là-haut. C'est un peu dommage d'utiliser 380 pour lui, non? 39 x 2, ça suffira pas de toute façon. C'est vexant. C'est vexant. Main pleine. C'est fort dommage. C'est lui que je vais tuer. En vrai, ça a pas de sens de tuer l'autre. Faire 10. 45, 40. Ouais, il tapera une fois. Ok. Lui. On le remet là. Ça change rien. Oh, j'ai tellement hâte de récupérer mon Dresch. Mais ça veut pas piocher la bonne carte. Reviens, petit Dresch.
En fait, là, pourquoi j'ai un millier de cartes? Ah oui, parce qu'il y a plein de, il y a plein de bestioles que j'ai pas pu poser. Ah, faut qu'on les remange. J'ai envoyé une main entière de bestioles, j'avais oublié. C'est la drèche si je le pioche pas. Non mais c'est exactement ça, c'est vexant. Bon, après j'ai aussi deux cartes en retour de main. Peut-être que le problème vient aussi de là. Bah, j'aurais pas eu ma drèche avant le... avant la fin du combat, c'est quand même triste. Tiens, deux vols de vie. 200, ok. Ici, du dégât. Quick! On va gagner, je pense. C'est le problème avec quand on a trop de cartes en retournement, en fait. C'est définitivement chiant. Definitely chiant. Je sais pas même pourquoi je me pose des questions. 640. Bon, finalement, c'était un peu la carte de la win. Cette carte à 3 régulièrement, alors que normalement, elle... à 0 régulièrement, alors que normalement, elle coûte 3. En retour de main. Donc c'est... En fait, on a gagné avec 7 reliques. Plus des morts. Plus une carte. Le troisième étage qui a servi que sur les premiers boss. Ah, c'était bien. Ceci dit, j'ai déjà gagné des games avec un seul étage. Même pas surchargé. Juste complètement over bourrin. 3 copies d'un soubriste. Très bien. Mythose. Il nous restera à finir les Umbras en termes de level. Et bim! Il me reste... il me manque un truc en Umbras. Et là, il me manque une carte. Je sais pas ce que c'est, ces cartes-là. C'est con qu'on puisse pas aller regarder quand on clique, là. Bon.